Ah merde, non. Ah ouais, mais non. Bon bah désolé pour les trucs. Mage ! Concentrez-vous sur la messagère. Qu'elle puisse sa force en vous. Confirme que les cieux sont balafrés, mais calmes. La brèche est fermée. On nous signale quelques failles résiduelles, et beaucoup de questions restent sans réponse. Mais c'est une victoire. Les récits de votre héroïsme se sont répandus. Je n'étais qu'une personne parmi tant d'autres. C'est la chance qui m'a mise au milieu de tout ça. Drôle de chance, alors. Je ne suis pas sûre qu'on doive la remercier. Mais vous avez raison. On doit cette victoire à notre alliance. Elles étaient rares jusque-là. Maintenant que la brèche est refermée, cette alliance aura besoin de nouveaux objectifs. Force en approche ! Aux armes ! Nonda ! Il faut regagner les portes. Hop là, une seconde. Mec, c'était trop facile. Il faut qu'on installe. Ah oui, c'est vrai. Ils sont tous passés niveau 12 avec le dragon. Ça se présente mal. Cullen ? Une armée gigantesque est en approche. Le gros des troupes est en haut de la montagne. Sous quelle bannière ? Aucune. Aucune ? Je ne peux pas entrer si vous m'ouvrez pas. Le dernier compagnon qui nous manque. Cole himself. Je m'appelle Cole. Je viens vous alerter, vous aider. Une armée arrive pour vous faire du mal. Vous êtes sûrement déjà au courant. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qui se passe ? Les Templiers viennent vous tuer. Les Templiers ? C'est comme ça que l'Ordre réagit à nos discussions avec les mages. En nous attaquant aveuglément. Les Templiers Rouges se sont tournés vers l'Ancien. Vous le connaissez ? Lui vous connaît. Vous lui avez pris ses mages. Là-bas. Je connais cet homme. Il est fou.
page. Cullen, il nous faut un plan. N'importe quoi. Dars n'est pas une forteresse. Si nous voulons tenir tête à ce monstre, nous devons contrôler l'affrontement. Allez écraser cette armée. Donnez tout ce que vous avez. Mage ! L'ordre des Templiers n'est plus ! Vous, vous avez la permission d'engager le combat ! C'est sans inquisition ! Il ne vous facilitera pas la tâche ! En bas de combat ! Ça va roxer du poney ! Allez, ramenez-vous tous en même temps, ça va chier ! Heureusement que j'ai vidé mon sac avant d'y aller. Totem de clochard. Qu'est-ce qu'il foutait avec, ça, celui-là? On y est presque. Gardez-les à distance. Merde, j'arrive pas à amasser. Repoussez-les! On va tirer! Poussez-vous, putain! Parce qu'ils ont été débordés. Bonjour messieurs dames. Par ici. Le trébuchet doit tirer. On a le temps. Armez le trébuchet. Commencez à tirer. Je crois que tous les tiers, ils viennent de vous attaquer, tout le long genre. Non, même pas. Ah. J'ai souvenir qu'ils étaient plus chiants que ça.
n'est pas possible! Tout le monde aux portes. Hop, là je vous conseille de sauvegarder. Parce que là, ça va être très chiant. Vous avez plusieurs occasions où il va falloir aider les villageois, comme celui-ci. Alors là, voilà, ça c'est pas grave, c'est juste son... Oh, un bateau. C'est juste lui avec ses outils, mais pour les autres, c'est leur vie. Donc du coup, sauvegarder. C'est quoi, je vais même sauvegarder comme ça au cas où, parce que ça se trouve... Hop là. Plus vite! Plus vite! Tout le monde à la chanterie! C'est le seul bâtiment capable de résister à ce monstre! Au point où nous en sommes, tâchons juste de faire au mieux. Les habitants doivent se réfugier à la chanterie! Alors, t'as regardé, là, vous les voyez. Vous avez les quêtes, comme ça. Enfin, sauver Lisette. On pourrait se tailler directement à la chanterie, hein. Là vous voyez, c'est pas seulement ça. Alors on n'a pas trop le temps de ramasser, il me semble, mais bon. Je sais plus du tout où il faut aller là. Là, il y a une maison qui crame, c'est bien ce qui me semblait. J'entends un survivant. Y'a pas genre moyen de péter la porte, une connerie. Ah merde, si! Je suis un débile. Je suis un crétin. Je ne peux pas. Venez m'aider. Voilà. Paf, c'est gris, t'es sauvé. Ensuite. Putain, elle gueule. Elle est où? Elle est là. Sauvez ça. Bon, je ramasse plus, c'est trop dangereux, surtout celui-là, putain. Vous entendez? Notre dame est avec vous, messagère. Merci. Minève et Adam. Hop là, c'est bon. Que se passe-t-il? Ouf! Merci. Bon, tout va bien. Voyons voir qui est-ce qui reste là. Quelqu'un a survécu. Là? Ah, apparemment. J'aurais besoin d'un peu d'aide. Ah oui, c'est Tren. Notre attendant. Vous croyez que j'allais te laisser crever? Je pense que tout le monde est là. Mieux vaut suivre. Effectivement, on a sauvé tout le monde. C'est bon, on peut partir. Parfait. Avancez! Allez! La chanterie est votre refuge! Il a essayé d'arrêter un Templier. La lame a pénétré profondément. Il va mourir. Quel charmant garçon. Messagère,
Nous sommes en mauvaise posture. Ce dragon nous a fait perdre le temps que vous nous aviez fait gagner. J'ai vu un archidémon. J'étais dans l'immatériel, mais il ressemblait à ça. Peu importe à quoi il ressemble. Il a ouvert la voie à cette armée. Elle va rayer Dars de la carte. L'ancien se moque du village. Il ne veut que la messagère. Si ça peut sauver ces gens, je me sacrifie. Ça ne sauvera personne. Il veut vous tuer. Il se moque des autres, mais il les écrasera quand même. Je ne l'aime pas. Vous ne l'aimez pas ? Messagère, aucune stratégie ne pourra nous sauver. La seule chose qui les a ralentis, c'est l'avalanche. Et si nous tournions les trébuchets restants pour en provoquer une autre ? Nous sommes dépassés. Nous ne pourrons pas frapper l'ennemi sans ensevelir Dars. Quitte à mourir, autant décider comment. C'est un luxe que beaucoup n'ont pas. Oui, ça. Le chancelier Roderick peut nous aider. Il veut le dire avant de mourir. Il y a un chemin impossible de le connaître, à moins d'avoir fait le pèlerinage estival comme moi. Les gens peuvent s'échapper. Elle a dû me le montrer. Andraste a dû me le montrer pour que je puisse vous le dire. Qu'est-ce que vous racontez, Roderick ? J'ai emprunté ce chemin sur un coup de tête. Je ne sais même pas pourquoi, il était envahi par la végétation. Maintenant, avec tous ces morts dans le conclave, il n'y a plus que moi qui le connaisse. Je ne sais pas, messagère. Si ce détail peut nous sauver, alors il ne s'agit peut-être pas d'un simple accident. Vous n'êtes peut-être pas un hasard. Qu'est-ce que vous en pensez, Cullen ? Ça peut marcher ? C'est possible. S'il nous montre le chemin. Mais... et vous ? Peut-être allez-vous le surprendre. Trouvez un moyen. Inquisition, suivez le chancelier Roderick à travers la chanterie. Allez ! Messagère, si c'est votre destin, si c'est le destin de l'Inquisition, alors je prie pour vous. Ils vont charger les trébuchets. Distrayez l'ancien jusqu'à ce que nous ayons passé l'orée du bois. Si nous voulons avoir une chance, si vous voulez avoir une chance, vous allez devoir montrer à cette chose ce que vous valez. On va leur faire payer le prix fort. Ils ne nous auront pas si facilement. Voilà, plus personne à sauver. On peut y aller tranquillement. Je profite de tout ramasser. Ah bah j'aurais pu les récupérer plus tard.
Évidemment, c'est maintenant que vous vous pointez tous. Ah non, c'est celui-là, voilà, où ils vont apparaître petit à petit. Des renforts. Ah, dès que vous avez fini de faire un tour, ils arrivent. Il y en a d'autres qui arrivent sur nous. Un truc plus rapide pour ramasser. Ils sont venus avec des renforts de taille. Oh putain! Il a bien changé des nams depuis la dernière fois. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'ils appellent ça un BMAT dans le jeu. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? La laine en plus. Lui au moins il m'a donné un peu de pièces d'or. Je crois que c'était le dernier puisqu'il y a eu le chevet sous capitaine là. Ouais, je pense que c'est le dernier tour. D'ailleurs, on y est. Chaud.
Ça, pour ceux qui se demandent, c'est un archidémon. Assez. Vous jouez avec des forces qui dépassent votre entendement. Ça a assez duré. Qu'est-ce que vous êtes? Pourquoi vous faites ça? Les mortels aspirent à une vérité qui les dépasse. Elle va bien au-delà de ce que vous êtes, de ce que j'étais. Apprenez à me connaître, à connaître ce que vous faites semblant d'être. Louez l'ancien, Corypheus, l'incarnation même de la volonté. Et vous vous agenouillerez. Expliquez-moi. Votre compréhension n'est pas nécessaire, mais peut-être aurez-vous la chance d'y parvenir. Je suis là pour l'encre. Que le processus d'extraction commence. C'est votre faute, messagère. Vous avez interrompu un rituel prévu depuis des lustres, et au lieu de mourir, vous l'avez détourné de son but. J'ignore comment vous avez survécu, mais cette marque que vous portez, que vous utilisez contre les failles, je l'ai créée pour attaquer les cieux. Et vous avez utilisé l'encre pour saboter mon travail. Petite effrontée. Pourquoi la divine est morte? Pour ce chaos? Ce chaos, comme vous dites, va renforcer mon pouvoir. Nous n'aurons plus jamais à implorer le néant. J'ai déjà percé l'immatériel au nom de quelqu'un d'autre pour servir les anciens dieux de l'Empire en personne. Je n'ai trouvé que le chaos et la corruption, des murmures éteints. J'ai passé un millier d'années dans la confusion totale. C'est terminé. J'ai trouvé la volonté d'y retourner en mon propre nom, de défendre un empire Tevintide affaibli et de redresser ce monde vicié. Priez pour ma réussite, car j'ai vu le trône des dieux, et il est vide. L'encre est inaltérable, permanente. Vous l'avez ruinée. Ainsi soit-il. Je recommencerai à zéro, je trouverai un autre moyen de donner à ce monde la nation et le dieu qu'il demande. Quant à vous, je ne saurais tolérer une quelconque rivale, aussi ignorante soit-elle. Vous devez mourir. Vous croyez que nous allons nous rendre et nous agenouiller? Vous rêvez. Nous vous vaincrons. Vous verrez.